On t'a rien demandé. On t'a pas demandé, t'as pas d'ardoise. T'es puni, puni. T'es la plus geek. La plus gentille. Comment je l'ai mis tout. Mais Daisy, ça. Non, mais moi. Préféré. Allez. Aujourd'hui, c'est le jeu des problèmes. Voilà. Aïe oh, les problèmes. Je dois me défendre. Je vous ai dit qu'on va apprendre beaucoup de choses. Une fois à la piscine même. Oui les chéris, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec papa qui fait partie de la vidéo du début jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour un qui est la plus. Voilà. Qui est la plus entre moi et Lilia. On a préparé les questions. Donc, elles ont préparé toutes les deux les questions. On ne sait pas les questions qu'elles nous ont préparées. Nous, on a une ardoise chacun. Et lui va mettre le prénom qu'il estime que. Qui est la plus gentille, il met le prénom qu'il veut. Moi, je mets le prénom que je veux et on verra à la fin. Et du coup, ben, soit elles vont être contentes de nos réponses, soit elles le seront moins. On va débattre. On va bien rigoler. Aujourd'hui, c'est le jeu des problèmes. Voilà. Aïe oh, les problèmes. Mais avant ça, si t'es nouvelle sur cette chaîne et que t'es pas encore abonné, abonne-toi. Like et commente. Active la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on poste des vidéos. Et surtout, si tu ne nous suis pas sur tous nos réseaux sociaux comme Snapchat, TikTok et Instagram, ils vont s'afficher juste ici, un seul pseudo, MouliMof. Rejoins-nous partout pour ne rien rater, puisque comme je vous dis à chaque fois, je vous partage des univers différents sur tous les réseaux sociaux. Voilà, allez. Donc allez, c'est parti les chéris, on se met dans l'ambiance. On a préparé 25 questions. On prend nos petits stylos. Vous allez écrire nos prénoms 25 fois. 26 questions. 25. Ah. Allez, dis la première. Allez, dis-nous la première. Là, commence. Alors, qui est la plus serviable? Pas sa fille. Ah, j'ai cru tous les deux. Pourquoi ça? Je pense que c'est compliqué là. Hein. Franchement, elles sont serviables les deux. C'est vrai, vous êtes serviables quand même. Vous êtes serviables quand même. Il y a du colis. Aucune des deux? Ah oui, c'est qui vient te, c'est qui vient te gratter? Aucune fenante. Fainéante. Fainéante. Non, tu n'as pas le droit. Vous êtes obligé. C'est pas vrai, c'est moi qui ai tout le temps de gratter. Moi je dirais Moya. Moi si tu es d'accord. Lilia elle est serviable, mais ça va, c'est quand elle veut et quand elle est dans son monde. Mettons, si elle est dans un truc, ça m'est déjà arrivé que je suis malade et en fait elle vient, elle reste avec moi. Monia elle est à l'école par exemple et Lilia est avec moi. Et ben, elle vient, elle reste avec moi, mais elle reste sur la tablette et en fait elle dit je peux mourir. Monia ça arrive pas. Moi, je vais me dépouiller, je m'occupe de toi et tout. Oui, des fois, oui, mais en fait ça dépend des fois. Des fois, t'es dans ton monde et voilà. Monia de suite elle débarrasse tout le temps, elle m'aide tout le temps à la maison. Et toi, c'est quoi ton argument? Monia. C'est quoi ton argument? Bon, c'est parce que c'est ma préférée. Allez. Ben, parce que c'est vrai que Monia, à chaque fois que je lui dis oh, va me chercher ça ou s'il te plaît tu peux me ramener ça. On n'a pas besoin de lui demander à Monia. Ah, voilà. On n'a pas besoin de lui demander, fais. Dès qu'elle voit que t'es en train de faire un truc, elle vient, papa tu truc, tu veux que je t'aide et tout. Moi je t'aide aussi pour venir manger, je te dis pas je te vois pas, toi, je t'aide. Toi t'es une fainéante. T'es plus fainéante. T'es plus fainéante qu'elle. Oui. Pas pour tout, pas pour tout. Bon allez, question numéro 2. Allez Lilia. Ah, moi, c'est bon. Allez, attendez. Qui a plus têtu? La plus têtu. Bien sûr, là, on sait tous déjà, c'est Monia. On sait tous déjà. Moi, je dis que c'est Lilia. Ah non, c'est Monia. C'est moi la plus têtu. Non, elle est plus têtu, Monia. C'est moi la plus Lilia, 100 fois. Comment c'est Lilia? Ah ouais. Quand tu lui dis, ouais, le truc, ouais, pourquoi t'as fait ça de soi? Écoute-moi, écoute-moi. Là, c'est pas têtu, là. C'est pas têtu. C'est pour ça qu'on a. T'es têtu, t'as toujours raison et t'es toujours la plus forte. Oui, ça c'est vrai. Mais elle est têtue, elle a toujours raison. Mais c'est vrai que Monia elle est plus. Monia, Monia des fois. Non, des Monia, fois, quand je l'engueule pour un truc ou un autre, elle non, dit oui. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir avec têtu là. Elle est plus truc. Monia, elle a plus de répondant. Mais le, par exemple, Monia, tu regardes la télé. Elle te dit ouais, t'as vu, elle s'appelle. Elle s'appelle Jennifer. Là, tu dis mais non, elle s'appelle Heather. Non, ça s'appelle Jennifer. Je dis qu'elle s'appelle Heather. Exemple, t'es obligé de reculer le film, lui montrer. Et après, ah ça ouais, donc elle était juste. Et il faut, voilà, tu peux lui dire A plus B, faut que tu lui montres le truc, mais elle je te la fais, elle va avoir c'est pas de chez moi. Hein. Ouais. C'est maman, moi. On sait d'où tu tiens ça. De mamie. Mamie, mamie, ah ouais, mamie, elle est têtue. Non, moi si je suis têtue, c'est que je sais que j'ai raison. Si je sais que j'ai raison, je vais aller jusqu'au bout, j'ai raison. Quand j'ai raison, j'ai raison. C'est plus comme ça. Moi, je dis faux. Ah, ok, j'ai souvent raison. Jamais. T'es fou de moi? Jamais. Heureusement que je suis là pour te sauver. Hein. Ouais, c'est ça. Allez. Sauver moi que toi, va. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Ouais. Qui est la plus mauvaise perdante? Hein? Ouf. Moi? Hein?
Mais non, c'est pas moi. Lilia. Ah ouais. Ah oui. Oui. Des fois, elle joue avec son père, elle se met à pleurer. Non, mais c'est un jeu. Non, pardon, elle me dit déjà, c'est un tricheur. Lui, déjà, c'est un tricheur. Moi, je suis un tricheur. À chaque fois, je lui dis, mais ça sert à quoi de gagner en trichant? C'est faux. C'est parce que je suis meilleur que dans tous les jeux. C'est pas vrai. Si, tu joues pour gagner. Il joue avec ses enfants. Normalement, quand tu joues avec tes enfants, t'as pas de chance. Tu les laisses gagner, les pauvres. On joue à Topol, il fait quoi? Il fait. Il a tout rouge. Il parle en même temps. Il est chiant, mon Dieu, t'as plus envie de jouer avec lui. C'est faux. C'est vrai qu'à chaque fois qu'ils jouent tous les deux, elle finit en pleurs. Je suis tellement bon qu'ils veulent même plus jouer avec moi parce que je suis. Ils savent qu'ils ont perdu d'office. Si. Par contre, quand il fait 2-3 parties dans un jeu et qu'il voit qu'il perd, ah vas-y, moi j'arrête de jouer, ça m'a saoulé. C'est faux, je perds jamais. Ah là, tu perds jamais. Au bout de ta vie. Non. Allez, prochaine question. Qui est la plus sage? C'est pas Monia du coup? Je vais te dire qu'on va se perdre moi. Qui est la plus sage? C'est Monia. Tu l'as écrit sur la l'ardoise. Désolé, ma fille. Je suis pas sage? Si, mais des moins sages comme Monia. Lydia, c'est une peste, Lydia. Non. Elle est insupportable. C'est faux. Ça non. Vous savez pas la misère qu'on endure avec ce gosse. Pas du tout. Vous savez pas. Pas du tout. Elles sont sages les deux. Mais Lydia, quand elle a décidé de faire quelque chose, je lui dis non. Mais allez, mais pourquoi? Mais allez, mais pourquoi? Sage. Excuse-moi, mais elle est plus peste que moi quand on se fait violent. Une fois cet été à la piscine. Je prends tout le temps des balles perdues, moi. Je vous ai dit qu'on va apprendre beaucoup de choses. Une fois à la piscine, même que toi t'étais dehors, on s'était disputé à la piscine et moi j'en pouvais plus, j'étais en train de pleurer. Elle a dit: oh bébé, elle pleure, je n'ai rien à faire. J'avais envie de la taper comme ça. Ah, t'es comme ça. T'es comme ça, toi. Tu lui as dit ça? Si. Même la vie, j'ai. C'est pas vrai. Alors, écoutez-moi. Alors en fait elle pleurait, elle m'avait mis à... Mais d'ailleurs t'étais là, c'était là, le jour t'as vu que tu trouvais des barbecues là. Tu faisais qu'elle fasse des allers-retours, que t'étais en train de faire à manger, que t'en pouvais plus. Que tu l'as grondée, parce qu'au final c'est moi qui avais raison. Rappelle pas. Et ben elle pleurait. Et je dis, mais tu vas pas, tu me fais pleurer. Je lui dis, ok tu pleures, je m'en fous. Non, je crois que papa il avait intervenu. Non, mais et même à un moment t'étais sur la chaise longue et t'as dit, oh bébé elle pleure, je m'en fous. Et je t'ai dit, non, ça se fait pas et tout. Fois, non, et je t'ai dit, ouais, ça se fait pas et tout. Tu m'as dit, Après, faut savoir que Lia pleure beaucoup aussi. Oui, mais c'est une pleurnicheuse. Non, mais arrêtez, c'est bon, là, j'arrête en ce moment. Mais qu'est-ce que ça va avec moi là? Non, mais c'est vrai que tu pleures beaucoup quand même. Non, c'est à moi là. Toujours pas dit. On t'aime quand même, mais. Non, mais t'es une pleurnicheuse. Oui, on t'aime à la fin, franchement. Qui est la plus feignante? Attendez, juste un truc. C'est pas d'accord, compliqué, j'ai envie de le dire. Moi, Mounia est plus feignante parce que si elle a envie, elle bouge pas. Mais si j'ai envie. J'ai besoin de bouger. Si j'ai envie. Je suis feignante, ah ouais? Je suis feignante. Mais oui, combien de fois je dois t'appeler pour m'aider à débarrasser, pour vider de la vaisselle et tout? Emma, je se pose sur le canapé, elle attend et puis non, et puis déjà, Lydia, elle débarrasse même pas la table. Voilà, moi je les ai habituées toutes les deux à participer. Non, moi à mon âge, elle débarrasse avec son assiette et je débarrasse avec mon assiette, c'est tout. Même que hier je lui ai dit, on n'a pas été élevées de la même façon toutes les deux. Ma mère elle a rigolé, je sais pas comment. Mais attends, Monia des fois elle est plus féminine pour. Ouais, non, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de faire ça. C'est ça. Alors que moi je veux toujours sortir. Mais en fait c'est différent. Pour ça, Monia elle est plus féminine. Non, mais moi au moins les corvées je les fais à la maison, je fais tout. Si. Je fais toutes les corvées toi à la maison. Putain, mais t'es une mytho, c'est quoi? Encore heureux. C'est pas ton préféré? Non. Menteuse. Monia, dis la vérité s'il te plaît. Moi je parle pas moi. Arrête! Non, tu m'avais dit yaourt tout à l'heure, c'est bon. Par contre, Monia dit qu'elle est la préférée de son père. Oui, ça c'est vrai. Mais Lydia a dit que c'est la préférée de sa mère. Non. Allez, question! Réponse! La plus folle! La plus folle? Ah, ben ça. Oh, c'est qui? Ça dépend des fois, je dirais moi. Vous avez tout dédié à Lilia ou c'est pas moi? Ça, c'est pas vrai, les 4 premières questions c'était moi. C'est Lilia la plus folle. Vous savez que ça se fait pas depuis tout à l'heure? Des fois, vous savez ce qu'elle fait? Elle regarde un film. Et avec le film, il lui plaît tellement qu'après, elle prend l'intonation de la voix de la fille du film. Écoutez, moi j'adore. Elle se met à vivre le film dans la maison. J'adore faire genre. Elle parle tout seul. Moi, elle m'énerve. Une fois, je sors dehors, il y a du vent. Je fais genre, il y a une tempête et que je vais me réfugier ici. J'imagine des histoires. Elle est complètement tarée. La dame toute seule, tu vois. Mais tu sais qu'elle m'a Il y a des habitants. Il y en a qui vont penser, il y en a qui vont nous quitter bientôt. Il y en a
on parle pas français, et ils vont la quitter bientôt. Il y a pas que moi, avec mes copines, on fait genre dans H2O. On fait genre, on s'imagine des histoires comme quoi il y a des filles qui sont mortes dans le couloir. Non, c'était moi ça. Elle avait une copine. Non, c'était moi. Elle c'était Mia et elle c'était Nina. Ouais. Vous avez des copines imaginaires. Mais moi j'avais une raison, j'avais pas de petite sœur à l'époque où j'avais une copine imaginaire. Elle avait une copine imaginaire et elle m'avait mort. Tu sais quand mes copines ont fait un grand genre, il y a des histoires. Elle est morte dans le collège. Et le truc là, c'est que vous voyez, elle parle trop. Vous avez vu comme il y a des développes à chaque fois par question. Parce que vous avez remarqué depuis le début, c'est elle qui écoute. Vous avez dit que des choses négatives sur moi, ça me. Non, non, mais tu parles beaucoup quoi. Bon, question. Je suis suivante question. Vous voulez voir en fait, moi j'ai pas ok, ouais. Bon, qui est la plus drôle? C'est moi. Mais c'est moi. Non. C'est moi. C'est moi. C'est moi. La plus drôle, c'est moi. Non. Excuse-moi, mais. Comment je l'ai mis tout, c'est moi là. Toi, t'es aigri. Ouais, elle est drôle, mon gars. Voilà, elle est sérieuse que Lydia. Toi, t'es aigri. Bah oui. Ah. Non, c'est pas vrai. Toi, t'es une aigrie. T'es rigolote, mais. Attends, maman, t'es faux cul, je retiens. Parce que des fois, tu me dis c'est moi, des fois, tu dis c'est. Essaye de pas cracher quand tu parles. Non, colère. Moya, elle a répondu cette question. Moya, elle a dit que c'était elle et pas moi là dans la prochaine question. Qui a le plus de caractère? Ah, c'est Monia. Ah, c'est moi. Excusez-moi, mais là, c'est pas moi. Hein. C'est Lydia. Mais tout à l'heure, j'ai dit que quelqu'un a la chance, t'as dit. Lydia. T'as dit. Là, c'est Lydia. C'est moi. C'est Lydia. C'est Monia. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est Lydia. Si j'engueule Monia et que je dis Monia, stop. Depuis petite, c'est stop. Lydia, quand tu l'engueules, oui, mais. Elle a trop de caractère. Et en fait, même si elle sait que je vais m'énerver, qu'elle me craigne et qu'elle sait qu'elle va être punie. Elle va aller jusqu'au bout quand même. Oui. Et elle a décidé de dire ce qu'elle a. Tu t'es dit, ben oui, elle. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut essayer d'avancer. Je vais pas rester là, mon point de départ, tu vois. Ensuite, on y va. Papa, attends, pourquoi c'est ton argument que moi j'ai le plus de caractère? Pourquoi tu trouves que t'as le plus de caractère? Ouais. Ben parce que toi, tu te laisses moins faire et tout. Moi, pour moi, le caractère, c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça, c'est vrai. Comment ça, elle se laisse moins faire? Ben, Monia, elle se laisse moins faire. Ah bon? Ben oui. Depuis quand, s'il te plaît, commence à peine à avoir du caractère. Monia, en 6ème, elle a pas de caractère du tout. Hein. Elle a du caractère, t'es fou. Pas du tout. Elle se tape avec tout son collège et tout. Non. Ah non, pas du tout. Monia, elle a pas de caractère pour ça. T'as plus de caractère qu'elle? Non. Ouais. Non. Voilà, à ce niveau-là, je suis quand même désolée plus qu'elle. Non, mais pas du tout. Non, pas du tout. Lydia, quand t'étais petite, t'avais beaucoup de caractère dans les parcs et s'engueuler les gens. Non, mais en fait, je t'explique, Lydia, le seul qu'il y a, c'est que je l'ai élevée de façon à ce que je veux pas que. Puis voilà, en plus à l'école il y a des règles et tout. Par contre, Lydia elle est beaucoup plus nerveuse. Lydia, les nerfs ils lui montent vite, elle a beaucoup plus de caractère, elle est beaucoup plus. Ouais, à l'époque on pensait que Lydia elle se bagarrait tout le temps. Parce qu'on l'a habituée avec l'éducation à pas faire certaines choses. Au final, jamais. Moi je voulais les inscrire à la boxe. Mais bon, voilà, par exemple, elle va s'énerver, Lydia, de suite elle se mord le poing, ouais, truc, elle me tape. Ouais, elle a plus de caractère que Monia. Moi j'ai envie de taper, mais alors je suis calme. Lydia, c'est Monia, elle a de la bouche. Monia, si elle a quelque chose qui lui va pas, elle va dire ce qu'elle pense, elle va dire. Moi, Lydia aussi, mais Lydia, je vous dis, on l'arrête plus après qu'elle parle. Des fois, je vais lui dire stop. Je lui dis stop. Ça y est, stop. Mais elle continue. Ah oui. Qui est la plus rancunière? C'est quoi rancunière? Moi, je parle parce que Monia, elle. Je te l'ai expliqué tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Monia. Ouais. Parce que moi, je peux pardonner, mais ce sera plus. Elle est trop gentille. C'est Monia la plus rancunière. Pourquoi? Parce que pour plein de choses que. Bah, on le voit, hein. On le voit dans son comportement, on le voit dans tout. Monia, en fait, t'as pas le droit à l'erreur avec Monia. Ouais, ça c'est vrai. C'est tout ou rien. Et en fait, Monia, dès que tu lui fais quelque chose qui lui plaît pas, et ben en fait, après, elle garde. Donc, même si elle va continuer à te parler, qu'elle t'aime bien et tout ça. Après, ça la refroidit et elle garde ce truc envers la personne qui va lui faire quelque chose. Et en fait, après. Ouais, c'est fini ton pipon. Ouais, après, il y a un truc. Elle est très rancunière. Et pour ça, je pense qu'elle tient de sa maman. C'est trop gentil pour moi. Lilia, elle est comme son père. Lilia, elle a vite pitié des gens. Même si quelqu'un lui a fait du mal. Elle a ce truc de. Elle aime pas voir les gens souffrir. Je suis mal là. Quoi? Je garde le truc dans ma tête quand même. Ce sera plus jamais comme avant, mais je pardonne quand même. Non, tu pardonnes pas. C'est comme avant. Moi, je vous explique. Moi, si quelqu'un il m'a fait du mal, j'arrive pas à avoir de la pitié pour lui. Bah, c'est ce que je veux dire. Même si c'est quelqu'un que j'ai aimé. Moi, j'ai de la peine, donc je pardonne. Moi, si quelqu'un m'a fait du mal, j'ai pas de pitié pour lui, non, c'est pas vrai, tu vois. Qui est la plus gentille? Mais c'est pas. C'est ce qu'on vient de dire en fait. Ah non? Je sais pas, du coup. La plus gentille.
La gentillesse, je sais pas dans quel sens c'était, donc écoutez, on l'a mis, mais on sait pas. C'est bête, hein, sinon on voit tout. C'est bête. C'est stressant de les voir écrire comme ça et de pas savoir il y a quoi. Mais il fait un rond. Les deux. Non, après. Moi j'ai mis les deux. Non, vraiment, gentillesse, moi j'ai gentil toutes les deux. C'est moignable. Non, moi j'ai mis les deux, vous avez... elles sont gentilles. J'aime bien les deux, non, elles nous aiment bien. Non, elles sont gentilles. Non, elles sont gentilles les deux. Mais Monia, en fait, je sais pas moi, quand je te dis c'est gentil, c'est sage, tout ça, tu vois. Ah oui. Monia, elle est plus... Après, elle est sage aussi, Lilia. Tu l'entends pas, Monia. C'est incroyable, tu la laisses dans la chambre, tu la vois pas. Après, en fait, Monia, c'est... Non, mais en fait, j'explique. Juste ce qu'il veut dire, c'est que Monia, c'est une enfant qui ne se plaint jamais. Tout lui va bien. Pas moi aussi. Si t'es dehors, tu l'entendras pas dire qu'elle est fatiguée. Tu lui dis on va là-bas. Non, il y a un truc qui va ça dans Angléo. Ouais. Lilia par exemple, on lui dit oui, bon, cet après-midi on va aller balader et après on ira au bain chaud. Et si il se trouve, qu'on peut pas faire les bains chauds, ouais, et on avait dit qu'on irait au bain chaud, et pourquoi on va pas au bain chaud? Monia n'a jamais fait ça. Maintenant je le fais plus, regarde. Oui, maintenant je le fais plus. Hier avant, tu m'as dit oui, je sais pas quoi, je suis fatiguée. Ok, maman, en fait, je t'ai rien dit. Mais d'où le rapport à la chaîne? Oui, mais je t'ai rien dit. Bref. J'ai aussi les deux, vous êtes gentilles toutes les deux. Mais le seul truc qu'il y a, c'est que Monia, elle a tout le temps le sourire, elle n'aura jamais été une râleuse. Non. Si, t'es une râleuse. Non, mais tu mets ton papa, il t'a pas une râleuse. Il a pas une chute. Il a quoi? Il t'a pas une. Qui est la plus sociable? C'est quoi ça? Sociable. Lilia. Mais maman, regarde ton arbre, là, du coup, on voit tout. Ah, pardon. Ça sert à rien. Lilia, elle est plus sociable. Monia, c'est une sauvage. Tu sais que maintenant je suis un peu plus sociable, hein. Monia, c'est une sauvage de fou. Ah. T'es plus sauvage. Lilia, on va dans un parc, elle parle à tout le monde. Tout le monde, tout ça, elle va rester sur son banc assise. Par exemple, on va prendre la rentrée des classes. Lilia, elle en a rien à faire de savoir si elle avait ses copines, si elle n'est pas avec ses copines, elle va sereine et tout. Elle a un stress à savoir si elle va être avec quelqu'un qu'elle connaît, si elle va pas être là-bas. Elle est. Monia, c'est une sauvage. Une vraie sauvage. Comme ma mère! C'est pour ça qu'elle est comme moi et elle, elle est comme lui parce que lui il parle à tout le monde. On va dans un magasin, un truc, il parle, lui. Qui est la plus geek? Qui est la plus geek? Bah là, pour moi c'est dur. Alors là, non, c'est pas dur. Non, c'est toi. C'est Lilia. C'est moi? Mais t'es sûre d'aller dire moi, maman? Ah, mais. Moi je dis c'est Lilia et je vais me justifier pourquoi je dis que c'est Lilia. Moi après oui. C'est moi? Monia. Papa! Soutiens-moi! Moi? C'est la vérité. Et toi, je suis obligé de t'engueuler. C'est toi le plus geek déjà pour commencer. Jamais. Ah, j'avoue. Alors, papa, il se réveille. Il est sur le téléphone. Il est aux toilettes. Il est sur le téléphone. Il est sur le canapé. Il est sur le téléphone. Il est tout le temps. Et le pire, c'est que par contre, il est comme Lilia. Et regarde ça, amour. Et tout le monde, tu fais pareil, maman. Tu fais pareil aussi. Notre jour, elle est à classe. Elle est à côté de moi. Elle m'a montré. C'est toi qui fais ça. C'est réel. Instagram. Ma tête avec ma montre des vidéos. Regardez ce que je t'ai envoyé. C'est moi le geek. Mais on est rentré d'une balade, je lui parlais, elle était sur son téléphone. Je lui dis, tu peux te concentrer deux minutes. Attends, je réponds à des messages. Je répondais à un commentaire YouTube. Je travaille moi sur mon téléphone. Ah, écoutez-moi. Mon téléphone, c'est mon travail. L'autre jour, elle était assise à côté de moi sur le canapé et je vous jure, j'ai cru voir Lilia parce qu'elle se plaignait tout le temps de Lilia qui a fait ça. Elle m'a montré tous les réels qui tombaient dans les réels possibles. Elle m'a montré des chats, elle m'a montré des bébés, elle m'a montré des loutres, elle m'a tout montré. Je lui dis, maman, tu peux parler de Lilia? Et moi, j'en peux plus quand je suis sur mon téléphone, je regarde, vous voyez, je suis dans mon truc. Et elle, toutes les deux minutes, et regarde ça. Oh, regarde ça, j'en peux plus. C'est trop mignon. Papa, il m'a fait ça ce matin. Mais pour moi, c'est Monia la plus geek parce que Monia, elle est tout le temps sur son téléphone. Alors moi, je vais dire que c'est elle la plus geek parce que, excusez-moi, mais tout le temps, elle fait une petite esquive. Quand on sort de table, elle est tout le temps sur sa tablette. D'accord. Ouais, tout le temps. Ça dure 5 minutes. Tout le temps. Non, elle fait plus. Non, elle va dans sa chambre, elle dessine. Elle fait du tricot. Elle fait plus de trucs en dehors. Toi, t'es tout le temps. Des fois, dites-vous. Tout entre maquillage et téléphone. Dites-vous des fois que je l'entends pas, Monia, elle est en haut, je monte. Ça, je suis d'accord avec Lilia. Elle tourne entre maquillage et téléphone. Ouais, elle est comme ça sur le téléphone. Et hop, elle pose le téléphone. Elle fait genre, elle fait un truc. Alors qu'en fait, elle est en haut sur le téléphone. Non, mais non, des fois, c'est que quand des fois, elle fait des esquives. Elle nous dit, je vais faire les devoirs. Et tu montes dans la chambre, elle est en train de regarder son téléphone. C'est pas vrai, ça. Par contre, ça, tu Qu'est-ce que tu fais sur le téléphone? Mais attends, je regarde sur l'histoire. Elle raconte des. Non, ça, vous montez. Ça, c'est vraiment vrai. Quand je fais mes devoirs, Tu m'entends? Non, c'est pas vrai. J'ai même mis un truc, ne pas déranger, je l'ai personnalisé en devoir, d'accord? Tu mens. C'est pas vrai ça. Bon, pour moi, c'est Monia la plus geek. Punto. Après papa. Monia mytho. Quoi? Arrête! Je suis pas une mytho! Qui est la plus sensible? Pour moi, c'est Monia. Mais on t'a rien demandé! On t'a pas d'ardoise! T'as pas d'ardoise!
Puni. On va faire la revanche avec les parents. Ouais. C'est vous qui choisissez les questions. Et nous, on fait les arbres. Bah, sensible, c'était. Ouais. Si vous voulez, on la tourne, la jurée. Oh, ah, non, on est d'accord quand même. Hein. Mais vous êtes des mythos, je suis pas sensible. Mais aussi. Non, plus maintenant. Avant, oui, maintenant. Non, plus maintenant. Non, je me suis endurcie. Je me suis endurcie. Bien, vraiment, pour la faire pleurer, l'info. Hein. De quoi Non, au niveau de la sensibilité. Ah, pas des caprices. J'ai des sensibles. Ça. Hein, sensible, des fois à peine on te parle, je te dis. Hein. Des fois on te parle, tu dis, t'as les yeux qui coulent, je te dis qu'est-ce que c'est ça, pourquoi tu pleures, je t'ai rien dit, je t'ai pas grondé. Et elle te dit, mais ça coule tout seul. Ça coule tout seul. Par contre, du coup, là, le prochain, c'est qui est la plus susceptible. Qui est la plus susceptible? C'est pareil. Bah non. C'est la plus sensible. Si. Bah non. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas du tout pareil. Non, c'est pas pareil, mais moi. Non, par contre, c'est plus moi, je suis plus susceptible. Arrêtez de me dire. En plus, j'ai vu la vraie définition de susceptible et c'est pas ce que tu me disais quand j'étais petite. Je dis. Comme... En fait, susceptible, ouais, c'est quand tu retiens quelque chose, genre... Qui est la plus... T'as dit susceptible, c'est que tu prends tout mal. Qui est la plus casanière? Moi, je veux dire, c'est Monia, parce que par contre, Monia, c'est la plus susceptible. Et le pire, c'est que des fois, elle veut jouer à des jeux où on se dit des choses comme ça, on se... Comment dire, on se taille. On se taille, voilà. Et quand on se met à la taille à elle, elle se tombe et on la fait pleurer. Mais des fois, on rigole avec elle, on la taille et elle se met à pleurer dans la chambre. Mais moi, c'est pas rigolo, tu me regardes un gros blanc comme ça, je disais que je sais que t'es susceptible. Mais oui, je pense que c'est parce que quand je te rends un chèvre à te dire, moi je t'ai jamais voulu, on t'a trouvé à la poubelle. Non, ça me fait pleurer. Tu m'as pleuré là, ça. Tu m'as pleuré. Ah ouais, non, c'est pas vrai. T'es sûr? Non. Tu veux qu'on essaye? Elle est susceptible à fond, Monia. Bref. Qui est la plus casanière? Qui est la plus casanière? Alors, Lilia m'a dit que c'était pas elle. Hein. Moi je dis que c'était. Ah si, c'est bien. Justifiez-vous parce qu'après moi je me justifie après. Moi je vous le dis. Alors là, la première fois qu'ils sont pas d'accord, c'est depuis tout à l'heure. Non, c'est Lilia. C'est Monia. Bah non. Lilia, Lilia, elle est tout le temps partante pour sortir dehors, pour aller faire des trucs. Non. Ah, si. L'autre jour, elle a râlé parce qu'on allait à H&M, s'il te plaît. Mais parce que j'étais malade, j'avais la grippe en fait. Sauf que depuis, t'as besoin quand même d'être à la maison et tout. Et j'ai. Ah, j'ai être à la maison, mon doudou, la poser au canapé, regarder la tablette. Je te fous de moi là, j'espère que tu te trompes. J'ai toujours besoin de sortir dans la journée, sinon je suis truc. J'ai toujours besoin d'aller balader, d'aller truquer. En fait, oui, mais petite zone. Ah non, moi je suis pas. S'en fout. Si. Ah non, moi je fais pas ça du matin, il est 9h, hein, je sais pas quelle heure dehors, je m'en fous. Après, le truc, c'est qu'en fait, elle va jamais se plaindre. Donc, elle va sortir. Mais Lilia, elle est plus casanière parce que Lilia, au bout d'un moment, elle a besoin d'être à la maison, de se reposer, de se. Bah ouais, c'est normal. Moi, je dis ça me manque, alors qu'elle, elle le dit pas. Mais. Chez moi. Après, c'est sûr qu'elle, par contre, elle a besoin de sortir. Il faut qu'elle sorte un peu dans la journée. Si elle sort pas de la journée, ça va dérange pas. Si elle sort pas de la journée, ça la dérange pas. Donc, c'est bien Monia la plus casanière. Voilà, mais si je passe la journée dehors, ça me dérange pas non plus. Alors moi je me régale dehors toute la journée en entière. Ouais. Bah moi aussi, c'est pas ça, j'ai toujours bien un trophée dehors et tout. Pose-moi la question toi. Qui est la plus sportive? C'est moi. C'est Monia. Mais en même temps. Toi t'es une feignasse. Maman t'hésites, feignasse. Feignasse. Je sais pas, elles sont sportives les deux quand même. Hein. J'ai demandé tout le monde en France de faire un sport, elle a jamais voulu en fait. Non, non, mais franchement elles sont sportives. Et Monia elle faisait de la gym. Ouais, les deux. Monia elle faisait de la gym. Et alors que moi, la gym que je faisais, je lançais un ballon en l'air aussi. Mais pourquoi t'as pas fait ma gym en fait? Parce qu'elle est. Non, mais dans tout cas, d'être sportive et deux, vous faites. Ouais, on fait quand même beaucoup d'activités, que ce soit rando, vélo. Chaque fois vélo, qu'il y a le cross, c'est si, là. C'est ouais, ouais, vous gagnez à chaque fois, vous avez les médailles, vous êtes. La plus peureuse. Qui est la plus peureuse? Ouais. Pour moi, c'est Lilia maintenant. Pour moi, c'est moi. Non. Non. Ah ouais, je vais vous sortir 2-3 exemples, là, vite fait. Ouais, elle a des peurs, j'ai pas dit qu'elle avait peur de rien. T'es plus peureuse. Dans quoi? Expliquez-moi, justifiez-vous, voyons. Je me lance dans tout. Le ski. On va parler, voyons. Le ski. Ouais, le ski. Non, c'est fini ski. Ça. Hey, en rouge, une petite elle a bleu. Non, j'ai plus peur. En fait, c'est bizarre, c'est les deux. Vous êtes peureuse. Elles ont chacune des trucs. Parce que elle en voiture, si je roule un peu vite, elle va me dire accélère, elle va me dire arrête, ralentis, elle a peur. Pourquoi il y a maman? Hein. Regarde, on fait du vélo, elle va faire la kamikaze, elle va avoir une bosse, elle va avoir peur. C'est pas vrai. Du ski, elle a peur et pas elle. Moi j'ai fait la piste bleue. Moi j'ai peur d'une piste bleue. Aqualand. Quoi? Cet été. Elle fait tout. Non, c'est pas vrai, elle a eu peur pour faire le truc. Elle fait tout. J'ai fait tout. J'ai fait l'U et papa, le gros U là, je l'avais fait avec papa. Elle avait peur de faire du quad. Elle a pleuré pour pas faire du quad l'autre jour. Elle a peur de rameur. Elle a peur d'araignée, ça va, 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 ça va,
peux le faire maintenant. Tu justifies. Mais ça c'est pareil, elle attrape les scarabées et tout, elle a pas peur, elle prend les serpents, elle prend les... Ouais, ben moi aussi je vais tuer les serpents. La dernière fois qu'on est allé à la rivière, il y avait des rameurs, elle a pas pleuré. Et voilà, et j'ai pas pleuré. Et même j'ai marché avec l'eau dans le truc. Et le quad, je l'ai fait ou pas? Bah oui, je l'ai fait. Mais juste avant, tu l'as fait, il faut pas y aller. Et en plus toi t'as conduit et elle non. Elle a fait atterrir dans un fossé. Moi aussi j'ai conduit. Je l'ai fait. Allez, moi je suis pas. Elle a pas peur, elle attrape tous les animaux. Elle attrape l'araignée, les araignées, c'est moi qui les sors de la salle. L'autre jour, vous étiez dans le bain, les deux, c'est moi. C'est vrai, je suis venue chercher l'araignée. J'aurais d'avoir peur aussi, mon gars aussi. Après, elle a pas dit qu'elle avait peur de rien, mais je la trouve moins peureuse. Bon, si vous voulez. Je sais pas. Qui est la plus facile à vivre? Bon, les deux. Ça, je peux pas critiquer. Là, je vais même pas le marquer, je peux pas critiquer. C'est moi. On a pas des enfants compliqués. Qui est la plus maligne? Ça, c'était l'idée de Lydia. La plus maligne, hein. C'est moi. C'est moi. C'est moi. T'es sûr qu'elle aimait ça? Maman, tu vois, c'est Lydia ta préférée. Voilà, c'est Lydia. Eh, papa, il a mis Lydia aussi, hein. Toi aussi, c'est Lydia ta préférée, mais pas du tout. Elle est maligne, elle est. Elle est vicieuse, elle est très, très maligne. Monia, je vais pas dire que Monia, elle est pas maligne, elle est maligne. Mais Lydia, elle est plus maligne parce que Lydia, elle écoute tout, elle regarde tout, elle comprend tout, elle se jette, elle y va, elle fait. C'est moi, non. Oui, toi aussi, mais je sais pas comment dire, c'est. Ah, c'est compliqué, on peut pas dire que c'est l'une. Il faut justifier, il faut justifier, écoute. Tu justifies tes choix. Pourquoi Lilia est plus maligne? Pourquoi ça ne serait pas moi? Bah, Lilia est plus maligne parce que déjà, regarde, par exemple, dans le magasin. Ouais. Tu vas lui dire, elle va acheter un truc, tu lui dis non. Elle va venir me voir, elle va me gratter à moi pour que moi je l'achète. Alors, non, c'est pas de la maligne, ça. Ça, c'est de la manipulation. D'accord. Non, mais elle est maligne. C'est de la manipulation. Elle est maligne, elle est pleine de trucs. Elle. Moi, c'est juste que j'ai la valeur des choses. Et quand maman me dit non. C'est que je sais pourquoi qu'elle me dit non. Voilà, et du coup, j'ai pas à te demander à toi parce que je sais. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec Maline. Si, elle est Maline. Non, moi je sais pour moi dans plein de choses. C'est à quoi qu'on fasse ça si à chaque fois qu'on donne notre argument, vous dites non, moi je sais. Ouais, pour moi c'est Lilia. Alors Lilia a tenu à mettre cette question absolument parce qu'elle a. Je crois qu'elle a copié ça avec moi en fait. Non. Écoutez, c'est quoi? Qui est la plus forte à l'école? Mais non, mais j'avais plus commencé. Je lui ai dit qu'on n'était pas au même niveau scolaire, tout ça, mais bon, vous devez... On savait plus quoi mettre, alors moi j'ai proposé ça, en fait. Vous devez calculer par rapport à jusqu'à ma 6ème, qui était la meilleure. Vous avez mis Lilia, je suppose. Lilia? Moi, mais Lilia. Pas du tout. Toi, oui, surtout toi, surtout toi. Alors moi, je dis les deux parce qu'elles sont vraiment aussi fortes l'une que l'autre à l'école. Et j'ai comparé les bulletins scolaires et à chaque fois, les moyennes générales se suivent. Le seul truc qu'il y a, c'est que dans les matières, Monia a plus de facilité en maths et moins en français. Et Lilia, en fait, elle a plus de facilité en français et moins en maths. Mais au final, quand on rassemble les moyennes générales, elles sont pareilles. Après, par contre, Lilia a plus de facilité que Monia. C'est-à-dire que Monia doit plus travailler et que Lilia apprend plus vite. Ça dépend quoi. Elle a une très bonne mémoire. Elle a plus de mémoire. Lilia a plus de mémoire. Ben non, elle fait plus comme en primaire, maman. Elle révise beaucoup plus. Elle révise beaucoup plus, mais elle a plus de mémoire. Elle enregistre plus vite que toi. Ah oui. Non, ça elle a... Si, elle y passe moins de temps. Attends, je le vois quand même, autant qu'elle passe à faire les devoirs. Toi, tu y passais 2 heures, elle avait passé 1 heure. Qui est la troisième? Qui est la plus tétolaire? C'est qui est la plus perchée, quoi? La plus perchée. Qui est la plus perchée? Mais non, c'est Monia. Mais vous êtes restée sur l'année dernière, là. Non, je. C'est bon, maintenant, je suis tête en l'air. Pas du tout, pas. Elle est tête en l'air, Monia. Tu vois que t'as mis Lydia. Tu vois que t'as mis Lydia. Papa! Pourquoi Monia? Je suis pas aimée. Si, si, je t'aime, la folie. Non. Bah, c'est Monia la plus perchée. Ah oui. Sur plein d'exemples, sinon je pourrais en donner plein. Vas-y, donne-en. Monia, va me chercher les ciseaux. Pourquoi tu pleures? Ça y est, mais non, je pleure de rire. Ah, va me chercher les ciseaux, ils sont devant elle, elle va les chercher pendant 3 heures. Monia, prends-moi le tournevis cruciforme, et comme ça, et ça fait une croix. Elle va te ramener un plat. Ça, tu m'as dit. La bougie, franchement, la bougie. Elle a oublié une bougie. En fait, j'explique qu'on a une brûleur où je mets le truc qui sent bon. Et la bougie, on l'allume à l'extérieur parce que dès qu'on la met, elle s'éteint, sinon elle s'étouffe. Donc on l'allume un petit peu et après on la met. Elle a oublié la bougie, on est parti faire les courses. Quand je suis arrivée, je commence à avoir des étincelles. La maison, elle a failli prendre feu. Ah, mais je l'ai oublié. Je suis partie me doucher, il y avait un truc au four. Ouais, mais je savais pas si tu voulais que je le fasse. C'était il y a un an, ça. Mais c'est pas grave, c'est des trucs. Alors, vous voyez, vous voulez que je vous dise pourquoi ma sœur elle est complètement. Alors, l'autre jour, ma mamie lui parle. Elle bouge pas, elle répond pas. Alors qu'elle était face, elle a regardé comme ça, elle disait ça. Elle le redit.
Elle lui redit. Je lui dis, Olivia, t'es perché ou quoi, mamie? Parle. Hein? Ben j'ai répondu. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? J'étais à côté de toi, je la regarde, putain. Et moi, je la regardais comme ça. Non, en fait, dans ma tête, je faisais ça. Pourquoi? Dans ma tête, je faisais ça. Ça, je le fais des fois. Pour moi, je disais oui. Non, je parlais en fait, mais je sais pas, ma voix, j'ai. En fait, voilà, donc t'es perché. Mais non, mais Monia, elle est perchée. Mais toi, t'es perché quoi? Papa! Tu dois me défendre! Mais c'est toi, je me dis, la perché qui est la plus, c'était. Pétard en l'air. C'est perché. Bah, ça, Monia, elle est en l'air, elle oublie beaucoup de trucs. Elle, c'est pas vrai, perché quand même. Moi, je vous dis que maintenant, non. Ah, ok. Non, maintenant, non. Bah ben voilà les chéris, cette vidéo se termine. Bah ben voilà les chéris, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle se termine, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et au moins comme ça, ben, vous connaissez un peu mieux Monia et Lilia, c'était un sacré débat. On vous fait de gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye. On vous fera une revanche, vous inquiétez pas. On fera les filles qui font ça avec papa et maman.